Il me semble que nous sommes constamment debout à l'appel du matin. 5000 femmes gelées piétinent sur place. On n'entend que ce piétinement. Puis la neige étouffe le piétinement des galoches, étouffe même le bruit des coups et les hurlements. Un matin, je suis tombée à l'appel. Je me suis réveillée dans la grande salle du revire. Partout autour de moi, des créatures décharnées, deux ou trois par chalet. Beaucoup ont déjà le sourire permanent des squelettes. Le bruit est infernal. Des Polonaises chantent des cantiques. D'autres, penchées au-dessus des chalets où l'on meurt, récitent les prières des agonisantes. Les mourantes râlent, bouche ouverte. Peut-être suis-je morte auprès de la fontaine, où je buvais tranquille en revenant des bois, dans le creux de ma main les eaux pyrénéennes. Peut-être suis-je morte alors d'un chaud effroi. Et Satan, à l'affût dans sa tunique verte, auprès du piège frais, perfidement tendu, aura sauté d'un bond sur la victime offerte, et Dieu l'a laissé faire, ou bien ne l'a pas vu. Et c'est l'enfer, ce temps sans ciel et sans dimanche. Je ne vois alentour qu'un peuple de damnés, de squelettes hideux, qui râlent sur des planches ou vers des seaux puants cherchent à se traîner. Oui, l'enfer, c'est l'enfer, la fièvre qui nous mine et que ne vient calmer la moindre goutte d'eau, et la faim cannibale et l'horrible vermine qui suce notre sang et ronge notre peau. Et c'est pour expier peut-être ma tendresse que, laissant à jamais le monde âpre et charmant, je vois des barbelés l'éternelle tristesse, et de l'âme et du corps souffre éternellement. Éternellement.